Bill Walton, le grand pivot des Trailblazers, puis des Celtics, il avait remporté le titre avec Larry Bird en 86 et les Celtics. Et puis en 77 surtout, face aux Sixers. Et l'interception de Clyde Drexler. Maloney, c'est court et ça va sortir. Maloney qui tourne à 11 points de moyenne dans ses playoffs, près de 40% à 3 points. Et dans le match 3 du premier tour, il avait quand même établi un record pour lui, certes record de sa jeune carrière, avec 26 points, 9 sur 11 dans les shoots et 6 tirs à 3 points. Il avait mis également 26 points dans la victoire en prolongation pour les Rockets dans le match 4 de cette série. Detlef Schrempf, heureusement qu'il allait lancer franc pour permettre à Schrempf de mettre des points. Schrempf qui avait démarré sa carrière au Mavericks aux côtés de Perkins. Deux Olympiades pour Schrempf en 84 et 92. 84, il avait eu le loisir d'affronter cette fantastique équipe universitaire américaine emmenée par Michael Jordan. Maloney. Et quel rebond de Charles Barkley. Et marché de Barkley. Huge rebound. Barkley got up in the air to make a great rebound and then got up in the air thinking he had somewhere to go and turned it over. The travel, I believe back in the playground that would be called ups and downs. Payton. Les rebonds offensifs, 8 pour les Rockets, 7 pour Seattle. Kemp. Voilà, Kemp qui est encore parti dans un mouvement très très compliqué. Oh, même tout seul près du cercle, il ne marque pas. Maloney, Drexler qui, oui, qui va perdre ce ballon. Alors, on sent les deux équipes un peu à côté de la plaque. C'est vraiment difficile, là. Drexler qui porte le ballon. Les ballons perdus, vous avez vu les stats pour les deux équipes. Payton. Le ballon toujours pour les Sonics avec Percy Hawkins. Kemp. Oh là là, Kemp face à Barkley. Pas de faute. Et la faute est même pour Kemp. Oh, c'est difficile ça. On aurait pu laisser jouer. Regardez, on va le revoir. Parce que là, les deux joueurs sont en l'air. Oui, il écarte un peu Charles Barkley avec son bras. Perkins, il avait une position. Perkins, il a hésité. Le fameux gaucher. Champion avec North Carolina en 82 aux côtés de Jordan, de James Worthy. Il allait retrouver près de 10 ans plus tard aux Lakers. Mario Eli, 1 sur 5 dans ce carton pour Seattle, 0 sur 2 pour les Rockets. On a eu plus de shoots côté Seattle, c'est la seule bonne nouvelle. Et grâce notamment aux deux rebonds offensifs sur une même possession de Sean Kemp, sur une même phase d'attaque. Encore un coup de sifflet. On va battre des records et pour le coup ça rappelle un peu ce fameux match 7 de 93 entre les Sonics et les Suns, où là aussi ça avait été un véritable festival de coups de sifflet et de lancers francs, avec une victoire finalement assez large des Suns au bout. C'était un peu le début de l'épopée des Sonics et leur accession au plus haut rang de la NBA. Et le ballon
pour Barclay à l'intérieur. 16 points pour Barclay et un petit point d'avance pour les Rockets dans ce troisième carton. Schrempf ne marque pas. Le rebond pour Clyde Drexler. Drexler, quand il est parti comme ça, il est difficile à arrêter. Clyde Drexler, en voici une nouvelle fois la preuve. Clyde Drexler, le vétéran, 11 saisons à Portland avant d'arriver à Houston en 94-95. Et même s'il a manqué 19 matchs cette saison, dont 18 sur blessure, il était encore à plus de 18 points par match. Alors certes, sa plus faible moyenne depuis 84-85, mais 18 points pour un joueur de son âge, ça reste quand même pas mal. Clyde Drexler and Matt Maloney, who combined for just 13 points in the Game 6 loss, they've combined for 24 Drexler today. Maloney dans le match 6, 13 points et déjà 23 ce soir pour le duo des Rockets. Drexler évidemment qui avait fait ses études à l'université de Houston avec la faille Slama Jama. Even though Sean can't miss that, that is a shot that he's got to take on a regular basis in order to draw Elijah. Il était aux côtés de Olajuwon, de Michael Young également. Kemp with three fouls and Barkley looks to work his way in on it. Cross court. Oh, quelle passe de Drexler pour Olajuwon! Enfin, une action d'éclat dans ce troisième carton. Et 62-56. Quelle passe de Drexler. Kemp, et voilà l'antithèse de ce que vient de faire Clyde Drexler. La passe de Kemp pour absolument personne. Les chaussures de Barclay peut-être. Regardez ça, hop. Mais derrière, en deux temps, le double pump de Hakeem Olajuwon pour aller inscrire les deux points. Sam Perkins with the foul. Sam Perkins a commis la faute. Rockets have scored seven straight points. Et Maloney pour remonter cette balle avec Mario Eli. Barclay face à Kemp. Regardez les appuis de Kemp pour essayer d'arrêter le fessier de Barclay. À 3 points Drexler. Oh, Barclay qui avait une main sur le ballon. Oh, et l'interception de Clyde Drexler qui redonne à Barclay. Contré par Kemp. Marché de Barclay. On va le revoir. Regardez là, Clyde Drexler qui surgit. Et il a marché, Barclay, il n'y a rien à dire. Les ballons perdus dans ce carton, 5 de la part des Rockets, 4 de la part des Sonics. 62-58. Maloney avec le shoot de Drexler. Ça n'arrête pas. C'est Clyde Drexler qui maintient les Rockets à flot dans ce troisième quart. La faute de Mario Eli. Troisième faute pour Mario Eli. Ce globe-trotteur passé par la CBA, l'USBL, même le championnat portugais, le championnat argentin et même le championnat irlandais avant d'avoir enfin sa chance en NBA. C'était avec Golden State en 91-92. Septième saison pro pour Mario Eli qui lui non plus n'est plus tout jeune, 33 ans. Are the wild ones. This is one of those calls, Bill, where they just didn't know what to call, so they call the illegal defense. Olajuwon just happened to be loaded up in the lane. Et Rudy qui s'agite sur le banc, enfin à côté du banc des Rockets. Payton va jouer sur Detlef Schrempf. Il n'est que le fantôme de lui-même dans ce match. Même si là, il donne une bonne passe décisive pour Gary Payton. 23 points, meilleur marqueur du match, Gary Payton, ce soir. Right and left-handed.
Et Barclay. Drexler, Mario Eli. Avec encore un coup de sifflet. C'est quasiment impossible de voir une possession sans coup de sifflet entre ces deux équipes dans ce match. The kind of basketball, Bill, that you love is when a guy moves without the ball and gets a return pass. That's money from Shrimp to Payton. Très bien fait cette dernière action de la part des Sonics. Not enough guys cut. Mario Eli. Just cut. On joue sur Olajuwon. Et il y aura une nouvelle faute. La troisième. Alors, est-ce qu'elle est sur Schrempf ou Payton? Troisième pour Payton, quatrième faute d'équipe. On va alors voir Payton qui vient systématiquement aider sur Olajuwon. Et oui, il a tapé sur la main d'Hakim. Oh là là, et Barclay qui donne ce ballon à Payton. Et derrière, Payton qui rend l'appareil à Schrempf. Et Seattle qui reste à une possession de Houston. Eli Olajuwon. Le mouvement classique d'Hakim Olajuwon. Ce mouvement sur lequel il peut systématiquement se reposer pour aller marquer les points importants dont a besoin son équipe. Olajuwon avec Drexler. Olajuwon s'est perdu. And the Sonics get a break. Rudy can't, Tom Janovich can't believe it. Neither can Olajuwon. Et la faute derrière. Et Olajuwon qui se retrouve face à Schrempf. And it's a turnover. Rockets see the Sonics heading the other way. Foul is on Mario Eli, and that. Alors la faute est sur Mario Eli. Hersey Hawkins va aller au lancer franc. Principe une formalité pour ce joueur très adroit. Rockets are all bent over, holding on to their pants, sucking for some air here. Seattle, the younger team, apparently the fresher legs. Hawkins. Regardez ses statistiques au lancer franc, 93% en playoff pour Hersey Hawkins. Est un véritable modèle de shooter. And he continues to drill him. Checking into the game for the Sonics, number 34, Jared Cummings. That tells you there's been some hard work. Hawkins qui tournait à 22 points avec Philadelphie l'année où il était All-Star en 90-91. The winner travels to Salt Lake City for game one Monday night on TNT. And you know that Utah and Chicago are sitting home, getting healthy, resting up, staying. Hey, Hawkins. Allez, le ballon pour Sidel Fritz avec Charles Barclay. À la faute de Schrempf sur Barclay. You know, it's tough enough when you get hit with the foul. But when you get hit and... Troisième faute personnelle pour Schrempf. Barclay goes to the line where he is 4 out of 4 so far this afternoon. But what made that play possible for Barclay was the re-entry of the ball, the deep entry. Était troisième marqueur des Sonics à 16.8, deuxième rebondeur. 17 for Barclay. But Greg, the guys who hit first, the 17 points ce soir pour Charles Barclay. They're the guys who rarely get the fouls called on them. Barclay wants the net fixed here. And he needs all the help. Qui tourne à près de 18 points et 12 rebonds par match dans ses playoffs 97. Rockets by 8. Et les Rockets qui sont en train de creuser l'écart. Rockets by 4. 4 points, c'est beaucoup dans un match où on ne dépasse pas les deux possessions. Here's the guy. Hersey Hawkins. Avec Sean Kemp. Voilà, Kemp qui oublie ce ballon.
que d'erreurs, que de bévues dans cette rencontre. On peut faire un top 10 des bloopers avec ce match. Barkley, ah, il était important psychologiquement ce shoot de Barkley. Et Rudy Tomjanovic, il semble totalement atterré par ce qu'il est en train de voir. Maloney avec Drexler. Difficile ce shoot de Drexler, mais ça rentre. Drexler qui avait été sélectionné pour les All-Star Games cette saison, mais qui n'avait pu y prendre part pour cause de blessure. Rebond pour Clyde Drexler. C'est vraiment le seul joueur à surnager dans cette deuxième mi-temps pour les Rockets, même si là il perd le ballon. Detlef Schrempf à 3 points, et bien voilà, quel retournement de situation. Drexler brillait, il se fait intercepter un peu bêtement cette balle, et Schrempf, qui ne brillait plus, trouve la distance à 3 points. Regardez les points marqués après les ballons perdus. Seattle qui a su bien exploiter les pertes de balles des Rockets. Et il y a Terry Cummings sur le terrain pour les Sonics. Il échoue de ce cours de Payton, mais il se bat bien. À 3 points peut-être. Non, on va refaire tourner cette balle et jouer sur Schrempf dos au panier. L'aide défensive de la Juwan. Terry Cummings est tout seul. Et le rebond d'Hakim. Avec Maloney pour Sidal Street. Drexler. Et Hakim Olajuwon. Oh là là, tout le monde qui se jette dans tous les sens. Et le ballon qui va être pour Seattle finalement. On donne absolument tout sur le terrain, parfois dans le vide. Sidal Street qui a joué aussi avec Barkley à l'époque de Philadelphie. Payton trying to squeeze off something close. He likes to spin to the baseline. Perkins pour Terry Cummings, shoot manqué, récupéré par Clyde Drexler. Very few players sprinting for Houston at this point. Barkley, Sidal Street. Maloney attend en position à 3 points, ça bouge pas beaucoup. Maloney qui passe ligne de fond. Et le rebond offensif pour Hakim Olajuwon. Le public du Summit debout pour acclamer son équipe dans cette dernière minute du troisième quart-temps. Les rebonds offensifs, 11 pour Seattle, 9 simplement pour les Rockets, mais les Rockets ont bien mieux exploité ces ballons. David Wingate, il était tout seul, David Wingate. Le rebond pour Barkley avec Sidal Street. Allez, la défense de Payton. Oh, et cette passe trop haute. Olajuwon disait, mais j'ai été poussé dans le dos. Encore un ballon perdu. George Karl est sur le parquet en train de donner ses consignes. 45 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Avec Payton pour remonter cette balle. Gary Payton avec Sam Perkins. Perkins qui ne marque pas, il récupère son propre rebond, Sam Perkins. Perkins, shoot difficile, la claquette peut-être de David Wingate, non. Le ballon pour Barkley qui remonte cette balle. Barkley qui marque, Charles Barkley, 8 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Le dernier ballon pour les Sonics, avec peut-être un shoot à 3 points pour Hersey Hawkins, ça ne rentre pas. Et c'est la fin de ce troisième quart. Dernière tentative. Regardez les scores carton par carton.
Houston qui a remporté les deux derniers cartons. Seattle avait remporté le premier d'un petit point et absolument rien n'est fait dans ce match. C'est toute la saison qui va maintenant se jouer sur 12 minutes pour ces deux équipes. Rockets with the ball, they lead it by six. Avec Clyde Drexler pour Barkley, Mario Eli, avec Kevin Willis. Kevin Willis, le jump hook, c'est manqué. Willis has had no impact on this game. Too cautious, too much pressure with the altercation from Friday night. Quel avantage physique sur Barkley. Avantage physique, c'est pas sûr, mais avantage de taille, on va dire. Et la faute sifflée sur Perkins. Perkins, je vous le disais, énorme star universitaire. Dans une équipe bourrée de talent, il y avait Kenny Smith aussi, ancienne star des Rockets. Dans cette équipe de UNC, puis sur le tard, Brad Doherty, dans une équipe de UNC de 83-84 qui était incroyablement talentueuse, mais qui n'avait pas été au bout. Oh, et encore Clyde Drexler. Et Houston qui mène maintenant de 10 longueurs. How long can they go with Sean Kemp on the bench? On joue toujours avec Cummings et Perkins à l'intérieur. Perkins qui joue de plus en plus loin du cercle au fur et à mesure que sa carrière avance. Cummings qui lui aussi aime bien shooter de loin. Et voilà, Kemp va revenir pour mettre un peu de physique in the paint. 15 points, 8 rebonds, aucun contre. What George Karl needs is some offensive firepower. Peyton is right now resting, so they've got to get somebody that can score the ball. Et Arsi Hawkins qui continue d'enquiller les lancers francs. Et il manque Arsi Hawkins. C'est un petit événement au sommet de Houston. Est-ce que c'est un signe? Hawkins qui va sortir. Et alors, on va faire jouer David Wingate à la place d'Hawkins avec Peyton, Cummings, Sean Kemp et Detlef Schrempf. Peyton, rebond de Barkley. Barkley is the shortest guy in the front court in this game, and he is dominating the board. Mais l'ambiance dans le sommet de Houston. On sent que le match est en train de se jouer en ce moment. Sidad Fleet. Attention, il va falloir shooter. Drexler à 10 mètres. Ça a failli rentrer. Et derrière, Barkley qui va attirer la faute. Encore la présence de Barkley au rebond. Barkley, vous savez, annoncé dans sa carrière à 6 pieds 6, c'est-à-dire 1m98, mais qui en fait est plutôt autour de 6 pieds 4, c'est-à-dire un petit 1m95. Schrempf. Avec Peyton, un coup de sifflet, faute sur Mario Eli, faute de Mario Eli, et la quatrième pour le joueur des Rockets. Regardez les stats du trio magique, 7 sur 13 pour la Jouonne, 7 sur 12 pour Barkley, 8 sur 16 pour Drexler. Et en carrière dans les matchs 7, au Barkley qui lui n'est pas ultra performant. Et plus 10 pour les Rockets de Houston, toujours 9 minutes 30 à jouer dans ce quatrième carton. Wingate, la passe lobée pour Sean Kemp. Ressort comme il peut. Schrempf. Et une position pour Peyton à 3 points qu'il doit mettre dedans pour donner espoir aux Sonics. Cummings. Oh, Cummings avec Kemp. Toujours les rebonds offensifs pour les Sonics. Ah, ils se battent. On ne peut pas leur reprocher de ne pas se battre, mais il y a 10 points d'écart.
crowd efforts takes a ton out of the Sonics. The scoring has been coming down, and George Karl is trying to figure out a way to get some offense. George Karl qui doit se demander quelle solution il peut bien trouver pour mener les Sonics à la victoire dans ce match numéro 7. C'est que c'est toujours très difficile d'aller gagner un match 7 à l'extérieur. Shuriken qui ne pense sans doute pas à ses problèmes de contrat en ce moment. Rebond de Kevin Willis. Kevin Willis qui a 34 ans. Un rebond de Detlef Schrem, Kevin Willis inexistant. Willis qui était passé au Heat de Miami, Cummings. Cummings, the only off-season acquisition that panned out for George Karl and the Sonics this year. Avec un temps mort demandé par Mario Eli. Temps mort de 20 secondes. Rudy's talking about don't run away from the ball. Eddie Johnson, très attentif. Eddie Johnson, qui avait démarré sa carrière à Kansas City. Les Kings de Kansas City qui avaient ensuite déménagé à Sacramento. Et Phoenix l'avait recruté. C'était l'une des premières décisions de Cotton Fitzsimmons, devenu directeur du personnel de l'équipe des Suns. C'était son titre exact. Cotton Fitzsimmons qui avait donc coaché Johnson à Kansas City, qui l'avait fait venir après une saison difficile. La saison d'après avait été brillante, on vous l'a dit. Et même si Tom Chambers et Kevin Johnson avaient attiré tous les regards, dans l'ombre, c'est Eddie Johnson qui brillait. Payton, 12 des 13 dernières tentatives manquées par les Sonics. Kemp. C'est Mario Eli qui commet la faute. Cette saison dans des ligues mineures, on vous l'a dit, en Europe, notamment au Portugal et en Irlande. Pour Mario Eli, comme ça, il faut toujours y croire. Deux titres pour Mario Eli. Et peut-être, pourquoi pas, un troisième cette saison. Il faudra déjà sortir de l'Ouest, c'est pas facile. Et puis, sans doute ensuite, aller affronter les Ogres de Chicago. Encore moins facile. Payton, elle en se tourne les pouces en attendant de pouvoir faire la remise en jeu. C'est ce que les joueurs de la première Dream Team avaient tous remarqué en découvrant les règles européennes et l'arbitrage européen. Ils disaient qu'il y avait une chose qu'ils appréciaient particulièrement, c'est que les arbitres donnaient très vite le ballon sur les remises en jeu. Alors qu'ils disaient, en NBA, souvent on se tourne les pouces en attendant qu'on nous donne la balle. Oh, la Juwan, le ballon qui circule bien pour Mario Eli. Avec son petit geste, cette jambe qui part en arrière pour équilibrer son shoot. Et plus 12 maintenant pour Houston. Terry Cummings. Et le ballon récupéré par les Rockets. Oh, le ballon un tout petit peu trop long pour Mario Eli. Là, c'était peut-être un énième tournant qui pouvait faire très très mal. On revoit ce shoot de Mario Eli qui lève bien son ballon. Ultra motivé Mario Eli comme toujours. Plus 12 pour. Regardez le trio des Sonics, bien moins performant que le trio majeur des Rockets de Houston. Payton est à 23 points, mais moins de 50% de réussite. Kemp est à moins de 50% lui aussi. La remise en jeu pour les Sonics.
et pour Gary Payton. And this is kind of reminiscent of what happened in the fourth quarter in Seattle. Payton avec Hawkins. Il faudrait que Hawkins prenne peut-être plus de responsabilités aussi en attaque, et c'est ce qu'il fait à l'instant. Bah, c'est pas non plus le genre de joueur qui aime se créer tout seul ses shoots. C'est plutôt un shooter qui aime sortir des écrans, faire du catch and shoot ou faire un dribble et shooter. Drexler, 5 secondes pour shooter. Olajuwon, le turnaround. Il va tomber dans les bras de l'arbitre, Hakeem Olajuwon. La faute est pour Terry Cummings. La remise en jeu pour Mario Eli. 16 points, 10 rebonds, une passe et aucun contre par contre pour Hakeem Olajuwon. Prise à deux. On va lui redonner tout de suite le ballon. Voilà, on attend que vraiment Payton vienne coller pour décaler Matt Maloney. Et là, on joue dans un espace ultra réduit, mais ça fonctionne pour les Rockets. Avec la conclusion de Clyde Drexler. Nouveau coup de sifflet. La faute de Olajuwon sur Sean Kemp. The penetration, the dish. Charles Barkley sees Drexler wide open. That's called fist down. That's called left. Troisième faute pour Hakeem Olajuwon. Payton. Ce ballon qui était à moitié rentré et qui finalement est ressorti. Et Schrempf qui vient défendre très haut sur Clyde Drexler. Pas question de le laisser tout seul. Voilà Olajuwon. Oh, Mario Eli shoot méga méga longue distance. Et au final, une énorme brique. Les Rockets qui peuvent se permettre de gérer maintenant leur avance. Le rebond de Barkley. Tout va bien pour Houston. On va surtout pas accélérer le tempo. Il reste 5 minutes 30. Maloney avec Mario Eli à 3 points. Ça rentre pas. Et le rebond de Sam Perkins. On va quasiment au bout des 24 à chaque fois du côté des Rockets pour manger le chrono. Payton qui perd ce ballon. Il y aura une faute. Faute de Clyde Drexler sur Gary Payton. You know, you've got to figure out if you're a Sonic how to get layups now. Forget jump shot, you got to get layers. Première mi-temps, 15 points pour Kem depuis un seul petit point, alors que Payton rentre son lancer franc. The crowd was all over, but he's gone ice cold. Payton connu pour son trash talking. On l'a pas vu trop parler ce soir, mais parfois on ne le voit pas. Et il parle beaucoup quand même, Payton, qui lors du All-Star Weekend 94 s'était approché de Barkley à l'échauffement pour lui astiquer le crâne. Et Charles Barkley est absolument estomaqué. Detlef Schrempf qui ne marque pas. C'est vraiment pas le jour de Detlef Schrempf malgré un sursaut tout à l'heure. Maloney, on fait. Oh là 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 là, Matt Maloney qui a envoyé un missile droit dans les travées. Le ballon a été touché. Rudy Tomjanovich, he preaches that time and time again. That's been the difference today. Barkley, Hakeem, Clyde Drexler. George Karl comes with Greg Graham off the bench. Greg Graham is a very good deep shooter, particularly if you leave him open. He's got. On a fait rentrer, oh là là, quelle surprise! L'entrée de Greg Graham, un ancien de Philadelphie et de New Jersey notamment. Il a joué 28 matchs simplement cette saison, 3,3 points de moyenne. C'est étonnant de le retrouver à cet instant du match. Coup de poker tenté par George Karl avec Matt Maloney.
On a remis 2 secondes de plus. Barclay, Barclay, passage en force. Cette fois, Schrempf a enfin eu un coup de sifflet. Et tout à l'heure, il s'était pris une bonne mandale. Et c'était lui qui avait eu la faute en prime. Ce qui était doublement douloureux. Et là, la faute est pour Barclay. Deuxième faute personnelle pour Sir Charles. Et temps mort demandé par Rudy Tomjanovic. 86 à 72, plus 4. Les Sonics qui ont manqué 16 de leurs 7 derniers shoots. Kemp. Avec la faute d'Hakeem Olajuwon. Chill, big fella. At this point, Houston has to just concentrate on their offensive execution. Their defense has been constant. Barkley and Hakeem and Drexler are taking care of the offense. Maloney as well. Maloney and Drexler just combined for 13 points in Friday night's game. Six more. Today they've got 33 points between the two guards. It is tough to win in the NBA. Les Jazz de Utah qui ont dominé la saison dans la conférence Ouest avec 64-7.8 défaites et qui ont laminé les Lakers pour se qualifier pour cette finale de l'Ouest avec une victoire à 4-1. Whenever they're in a scramble, these guys got to look at the back. La claquette d'Hakeem Olajuwon. L'action du match pour Hakeem Olajuwon à moins de 4 minutes de la fin. Graham. Et derrière, and that's out of bounds to Seattle. Let's go back and take a look. Il a osé aller défier Hakeem Olajuwon. Because the Sonics are scrambling, the basket area is going to be wide open. Drexler lays it out there. Olajuwon qui arrive, personne n'est là pour le bloquer. Puisque Kemp s'était jeté sur Drexler, c'était le danger. Alors c'est Hawkins a marqué 88-76, plus 12, 3 minutes 35. Oh, le ballon perdu par Clyde Drexler. Les Sonics à 3 contre 2 avec Hersey Hawkins. Deux paniers de suite pour Hersey Hawkins. C'est 10 points d'écart. Et Thomas demandé par les Rockets. Les points dans la raquette, 42 pour Houston, 46 en dehors de la raquette. Olajuwon avec Matt Maloney. Olajuwon, on vient aider, prise à deux comme d'habitude, ça libère Drexler. Maloney en pénétration, Matt Maloney avec encore peut-être une claquette d'Olajuwon, mais il y avait un coup de sifflet auparavant. Quel culot de ce jeune joueur Matt Maloney qui n'a peur de rien. 12 points, 4 sur 10, pas très adroit ce soir Matt Maloney, gêné par la défense de Payton. Walked away from that one as he shot it. Fourth team foul. 9.4 en saison, près de 14 en play-off. Déjà en saison, on était estomaqué par les performances de Matt Maloney. Et il a confirmé en play-off, ce qui est vraiment le plus incroyable. Le rebond de Kemp avec Gary Payton. Allez, il y a 10 points d'écart en 3 minutes, ça se remonte. Payton. Et Hersey Hawkins là qui attend depuis 10 minutes tout seul à 3 points. C'est Schrempf qui prend le 3 points et qui le réussit. Et plus que 7 points d'écart. Le pressing tout terrain des Sonics. Marioli, encore une interception. Avec Hawkins qui va pouvoir aller déposer ce ballon dans le cercle. Quel retournement de situation. 5 points d'écart. 5 points d'écart, 88-83. 2 minutes 35 à jouer. 9-0 passé par les Sonics. Il y avait 14 points d'écart il y a quelques instants. Il n'y en a plus que 5. Un match n'est jamais terminé. Les Rockets sont mieux placés que personne pour le savoir. Cinquième faute personnelle pour Detlef Schrempf. Like 21.7 rebonds et 7 passes pour Clyde Drexler. Still plenty of time. 2:33 remaining.
Et il manque le lancer franc. Ce match va se jouer à rien du tout. Il y a eu le pourcentage de réussite de Clyde Drexler au lancer franc. Il réussit le deuxième quand même. Et 89-83. Deux paniers à 3 points d'écart. Payton, rebond pour la Juwon. Marioli qui accélère. Il ne va pas pouvoir aller jusqu'au cercle. Bon repli défensif des Sonics. Maloney pour Barclay. Voilà, Barclay qui aurait pu aller au cercle. Il a préféré manger encore un peu plus le chrono. 5 secondes. Drexler à 3 points. Rebond offensif de la Juwon. Il est très important ce rebond offensif. On remet à zéro les 24 secondes. Et Olajuwon, oh, contré par Sean Kemp. Alors, regardez ça, Olajuwon, c'est un contre dans la phase descendante, ça. Mais le ballon est toujours pour les Rockets, finalement c'est presque plus positif. Maloney qui a hésité à prendre le shoot. Voilà, il était en grande difficulté. Le ballon va finalement être rendu aux Sonics. Et nouveau temps mort. Temps mort demandé par les Sonics. 89-83, 1 minute 37 à jouer. Match numéro 7 de cette demi-finale de la conférence Ouest 97. Les temps morts restants, 2 pour Seattle, 3 pour les Rockets. Payton et les Sonics sont à 1 minute 37 de l'élimination. Les Rockets très forts dans ce 7e match. 11 victoires et 2 défaites lorsqu'ils sont face à une élimination. Et les Rockets n'ont jamais perdu un match 7 depuis que Rudity entraîne cette équipe. Sean Kemp qui va marquer. Sean Kemp, ce match n'est pas terminé. Les Sonics qui veulent devenir la 13e équipe à remporter un 7e match à l'extérieur. 72 séries jusqu'ici, l'équipe qui recevait a gagné 60 fois. Vous voyez combien c'est rare d'aller gagner un match 7 à l'extérieur. Marioli avec Matt Maloney, 3 points d'écart. Maloney, Drexler, Maloney tout seul à 3 points. Ça rentre pour Matt Maloney. C'est peut-être le panier de la finale de la Conférence Ouest. 92-86. 6 points d'avance pour les Rockets. Retour à la case départ pour les Sonics. Payton qui trouve la faute. On revoit Matt Maloney qui ne tremble pas et qui rentre ce shoot tellement important à 3 points. Regardez le banc des Rockets qui exulte. Premier lancer franc réussi par Gary Payton. 21.8 en saison, 23.5 en playoff. Avec Matt Maloney face au pressing des Sonics. Barclay ressort sur Matt Maloney. La passe était un peu hasardeuse. Olajuwon. Rebond offensif pour Clyde Drexler. Maloney. 40 secondes à jouer. 4 points d'écart. Drexler avec Maloney pour Barclay qui prend le shoot. C'est manqué le rebond de Gary Payton. Il faut marquer tout de suite. Il faut marquer tout de suite. Il faut essayer de jouer le 2 pour 1 là pour les Sonics. Et voilà, on va marquer, mais on ne peut pas jouer le 2 pour 1. Et là, on va être obligé de faire faute. 2 points d'écart. Allez, il faut faire faute là tout de suite. C'est ce que fait Hersey Hawkins sur Clyde Drexler à 20 secondes de la fin du match.
Si Drexler réussit les deux, c'est fini. Le match est plié et les Rockets vont aller retrouver les Jazz avec deux matchs à jouer au Delta Center. 75% en saison, 74% en playoff pour Clyde Drexler, qui a été à maintes et maintes reprises dans cette situation. Il a joué trois finales, Drexler, deux avec les Blazers perdus, une avec les Rockets gagnées, 4-0 face au Magic d'Orlando. On se souvient dans cette finale des lancers francs, les quatre lancers francs ratés par Nick Anderson pour ensuite que les Rockets s'imposent en prolongation dans ce match numéro 1 de la finale, ce qui avait tué psychologiquement le Magic de Shaquille O'Neal. Allez, Drexler qui va prendre son temps, tout le monde est debout. Et oh, ça rentre après 50 rebonds sur le cercle. Et c'est maintenant que c'est décisif, parce qu'à 3 points d'écart, il y a encore une possibilité d'égaliser pour Seattle. À 4 en revanche, et il manque Clyde Drexler. Il était venu essayer de trouver son rebond. Et derrière, il y a eu une faute en plus. Alors, la faute est pour Charles Barkley. Troisième faute. They don't want a foul. They wanted them to have the ball, bring it the other way, have to use time to get up. Now the clock again. Alors maintenant le chrono est arrêté et Seattle peut marquer des points sans faire tourner le chrono. Alors on va sans doute pas essayer de rater le deuxième exprès déjà. On va essayer plutôt d'assurer les deux lancers francs, faire faute ensuite. Terry Cummings, très concentré, mais il est court, très court, ce premier lancé franc de Terry Cummings. George Karl coming back in with his trapping defensive players. Cummings qui joue plus en playoff, en saison régulière, 18 minutes, en saison régulière, 24 minutes en playoff. C'est le seul joueur ajouté au roster des Sonics à l'intersaison. Après la finale perdue de l'an passé. Et réussi le deuxième. Deux points d'écart. Il faut faire faute. Même situation qu'il y a quelques secondes. Clyde Drexler rattrapé par Hersey Hawkins. Et Drexler qui va se retrouver dans la même situation avec encore une fois la même équation à résoudre pour les Sonics. Regardez, hop, il lui attrape le short Hersey Hawkins. What surprises me is Walton not saying where's the foul. Clyde Drexler. 3 sur 5 ce soir pour Clyde Drexler. Premier lancé franc réussi. Et Kev Schrempf qui voit un nouveau rêve de finale s'éloigner dans ses lancers francs de Clyde Drexler. Et rebond de Hersey Hawkins avec un temps mort demandé par George Karl. Il reste 16 secondes 3 à jouer. 94 à 91. On va évidemment essayer de tenter un 3 points. Là, il y a la tactique qui consiste à faire faute tout de suite pour ne pas laisser les Sonics shooter à 3 points. 4 sur 7 pour Payton ce soir. Il y a des chances que l'on joue sur Payton, mais il y en a des joueurs pour shooter. Il y a évidemment Sam Perkins qui est habitué de ce genre d'exploit en fin de match. On se souvient de la finale 91 face aux Bulls. Notamment, Detlef Schrempf n'est pas manchot non plus. Il y a David Wingate. Et Hersey Hawkins, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Allez, remise en jeu. Avec Schrempf qui va prendre ce shoot. Pour l'instant, c'est Kemp qui est à 3 points. C'est très très mal joué, ça. Et le ballon est pour Houston. 8 secondes à jouer, que c'est mal joué, que c'est mal joué.
Remise en jeu pour Maloney. Barclay. Et on ne fait pas faute. C'est trop tard. Et Olajuwon. Dunk. C'est le dunk de la victoire pour les Rockets de Houston. C'est terminé, c'est terminé. Et les Rockets s'imposent en 7 matchs face aux Sonics de Seattle. Les Rockets qualifiés pour la finale de l'Ouest.